La poésie, c'est la naissance d'un nouveau monde. Tout commence par les mots, les bouleversements et la révolution. Il y a un moment dans la vie d'un peuple où les mots deviennent action et où la poésie devient arme. Un lokam nic, un copra kutimesh, te bachmus medeni, gamangesa. Franchement, c'était une soirée qu'on se rappelle. Merci beaucoup. Madame l'ambassadeur, on dira, nous y étions. Voilà, voilà, chers amis d'Agen, mes quelques mots sur mon pays. Donc voilà, je vous souhaite une belle continuation par la suite avec Christina, avec nos amis. Mais je tiens à dire, vive l'Albanie, vive la France, vive l'amitié franco-albanaise et vive l'amitié entre Agenais et Albanais. J'ai décidé, par les pouvoirs que me confère la République d'Albanie, de faire de Zabo une ressortissante albanaise, donc une famille albanaise. Voilà un passeport, donc c'est un gadget, c'est un passeport touristique effectivement. Voilà, le passeport d'Albanie. Non, Zabo, et puis avec les photos d'ambassade d'Albanie en signature. Voilà. Merci à vous. Alors, je le disais tout à l'heure, il n'est pas si fréquent que la ville d'Agen accueille simultanément deux ambassadeurs. Et je souhaite vraiment, au nom du conseil municipal, au nom des Agenais, vous remercier d'honorer de votre présence cette semaine culturelle dédiée à l'Albanie. Mais je remercie Zabo d'avoir levé le voile sur l'Albanie et d'avoir suscité notre curiosité pour créer ce moment albanais. Grâce à vous tous, nous avons voyagé, nous avons été surpris, nous nous sommes instruits. Bref, nous avons été émerveillés et du fond du cœur, vraiment, je veux vous en remercier. Par les pouvoirs que me confère la République d'Albanie, je vous fais albanaise chaleureuse, voilà. C'est vrai que ce moment albanais, je l'ai rêvé parce que j'ai su, dès que j'ai mis les pieds en Albanie, que quelque chose de fort allait se passer entre ce pays et moi. Et j'ai eu une envie énorme de partager cette émotion. Donc ce qui aujourd'hui est pour moi très fort, c'est de voir que tout ce que j'ai rêvé s'est mis en place. Et j'allais dire, ça correspond presque à ma façon de voir le monde, à savoir qu'il faut rêver pour que le rêve se réalise. S'il n'y a pas de rêve, il n'y aura pas de réalité, j'allais dire. J'étais dans ce moment albanais et je me disais, ben voilà, ça naît, ça s'écrit comme j'ai rêvé que ça s'écrive. Et voilà, et pour moi ça a été un moment très très fort et qui philosophiquement a répondu à ce que je crois d'avis. On a un petit peu de nostalgie de laisser partir l'Albanie et nos ambassadeurs et nos artistes, parce que vraiment on a vécu un moment fort, riche en émotions et en rencontres. On n'a pas envie que ce soit voilà, un petit moment fugace, mais on veut vraiment tisser des liens forts entre les Albanais et les Agenais. On finit aujourd'hui, disons, la semaine albanaise à Agen. Je suis extrêmement content, enfin, c'est un bonheur. Je suis même touché par cet accueil de l'Albanie, de la culture albanaise à Agen. J'ai même appris que c'était la première fois que la mairie d'Agen
organisé une semaine consacrée à un pays. Donc voilà, la mairie a mis à l'honneur mon pays, l'Albanie. Je pense que c'était un moment fort d'Albanie à Agen, mais plus en général de l'Albanie en France, puisqu'il y a eu une fois une artiste à Genève, donc Zabo, à qui on doit beaucoup, qui est à l'origine même de cette présence albanaise à Agen. Mais on attend de retour plus d'Agenais et Agenaises en Albanie, et que cette relation puisse perdurer, s'enrichir avec d'autres activités, pour bénéfice de tous, et surtout pour l'amitié France-Albanie, Agen-Albanie.